Samedi 9 et dimanche 10 mars, la station de La Norma organisait pour la toute première fois une compétition nationale de ski de boss. Pour l'occasion, 85 skieurs représentant une dizaine de clubs différents ont participé à ce premier critérium national jeune de ski de boss. C'est deux jours de show, c'est deux jours de compète avec une partie qui est plus ciblée sur du duo, sur la journée d'aujourd'hui. Et puis demain, ça sera un single. Bon voilà, donc on découvre aussi, hein, parce que nous, c'est pas notre discipline première. Nous, on est sur de l'alpin, mais on est ravis, en tout cas, vraiment ravis d'avoir la marraine Perrine Lafond qui a accepté d'être à nos côtés, grâce à son frère aussi, et d'amener ce beau spectacle, en tout cas, à La Norma. Donc, c'est fabuleux. C'est des gens qu'on découvre, parce que c'est pareil, hein, chaque domaine a ses repères. Et on a découvert des gens formidables, des gens qui vont, je pense, nous permettre de pouvoir faire grandir cet événement, parce que tout le monde en est ravi, un premier écho, donc ça c'est déjà une réussite, malgré le temps qui n'était pas avec nous, mais bon voilà, ça fait partie des événements, il faut savoir faire avec, mais voilà, le global de l'événement c'est une réussite quoi, c'est une réussite parce que nos élus en sont contents, nous on en est contents, et à partir de là c'est du bonheur quoi. Pour le comité de Savoie, le ski de boss est une discipline en plein essor, où de nombreux athlètes français remportent des compétitions internationales. Le ski de boss, c'est une toute petite niche dans le cadre du ski français. Par contre, le ski de boss a toujours apporté énormément de résultats à la France. Et en ce moment, il y a Perrine qui a d'excellents résultats, il y a Ben Cavet en équipe de France qui a de bons résultats. Mais il se trouve qu'au niveau du comité de Savoie et des autres comités, on a aussi de bons résultats en Coupe d'Europe. Donc, pas beaucoup de pratiquants, mais une élite qui va bien. Ici, l'enjeu, c'était de découvrir une nouvelle station qui n'était pas habituée à faire du ski freestyle. Et du coup, comme ils nous ont demandé si on pouvait apporter une épreuve, et on a pensé à cette épreuve de boss sur une piste parfaitement adaptée et dans une station qui voulait faire des efforts dans ce sens. Pour l'occasion, Perrine Lafond, championne olympique et double championne du monde, était la marraine de l'événement. En déplacement à l'étranger lors de ce week-end, la championne n'était pas présente physiquement, mais son frère Grégory Lafond, passionné également de ce sport, était sur place afin de soutenir les jeunes sportifs. Alors tout à fait, oui, ça lui tient énormément à cœur, comme moi aussi, parce que c'est une passion de famille. On fait ça depuis tout petit, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais amener à Haute-Maurienne-Vanoise. C'est chose faite. On a beaucoup discuté avec les partenaires et toutes les gens qui ont gravité autour de la réussite de cet événement. Je pense qu'aujourd'hui, là, on a marqué l'essai. Demain, on transformera et que ça reste gravé dans la mémoire des gens, quoi. Pour déterminer les grands gagnants, pas moins de 3 juges observent les différentes descentes. Au cours de la course, 3 critères sont pris en compte. Une note concernant la technique de ski dans les bosses, une note concernant le saut final et bien sûr le temps réalisé. Calderon Anthony s'empare de la première place dans la catégorie minime. Première manche compliquée, donc boss un peu dur à skier, je me suis mis dedans assez bien, j'étais assez content. C'était vraiment dur, je me suis fait avoir en qualification, Oliver il est passé devant. En finale j'ai réussi à revenir dans les parallèles pendant la nocturne, donc j'étais assez content. Ouais. Chez les dames, dans la catégorie minime, c'est Jeanne Michaud qui l'emporte. Elle s'est passée très très bien, je me suis éclatée et puis que de bonnes choses quoi. Bah, en termes de compétition, j'aimerais. Là c'est ma dernière année en critérium jeune et l'année prochaine j'aimerais continuer dans les bosses mais aussi dans le slopestyle. Je m'inspire quand même de Perrine et de Camille Cabrol.
Une première pour cette station qui compte bien continuer sur sa lancée et organiser à nouveau des compétitions de ski de boss. Bah voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est exactement ça, c'est de conserver cette dynamique, de la peaufiner, de la modifier. C'est comme le bon vin, hein. C'est à force de faire les choses qu'on arrive à des beaux résultats. Donc bon, l'idée oui, c'est de faire grandir les choses et pourquoi pas de monter en niveau. Et ça, bon, c'est des choses qui vont se travailler, je pense, dans les mois à venir. Voilà.